Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche, donc tout simplement sur Drilling Simulator. Donc le simulateur de foreuse, globalement, c'est un peu ça le délire. Donc j'ai juste lancé vite fait, j'ai fait juste récupérer une fois un truc pour essayer de comprendre comment ça marche. Open Storage Menu, yes. Donc il me dit que j'ai rien, etc. Donc ok, ça ne sert à strictement à que dalle. Bon, moi bien. Donc là, on a de quoi acheter. Là, on a des pets que l'on peut acheter. Donc là, ce qu'il y a, on a les 200. Donc on va essayer, on va s'en prendre un, écoutez. Alors, qu'est-ce que tu vas nous donner, monsieur? Un Crimson Vampire. Vampire. Bon, ok, donc ça fait penser à un vampire. Bon, tout va bien, c'est pas grave. Hein. Équipe, s'il te plaît, mon jeune ami. Alors, on va aller récupérer tout simplement nos foreuses que l'on a posées. Donc non, je vais refuser. Je veux pas qu'on me donne des trucs. Je veux découvrir le jeu, déjà. Alors, F, donc on collecte, hop, on a eu du charbon, on va collecter tout ce que j'ai posé, et on n'a plus de place, ok, on est déjà blindé, on va se repromener histoire de mettre tout simplement, voilà, une autre mine, on appuie sur E, donc en fait vous prenez le détecteur dans votre main, vous vous promenez et il fait tout seul. Alors, yes, on veut vendre, donc là vous voyez on peut garder certains minerais, donc voilà on vend tout nous, hein, on n'a pas besoin de... Donc avec les gemmes, on peut faire quelque chose, je vais vous montrer après, donc on va améliorer notre backpack direct. Wouah, 1200! Wouh! Les tarifs sont énormes, les gens. Bon, alors c'est parti, on y retourne. Donc, je vous disais, donc, par rapport aux gemmes, les gemmes nous permettent de débloquer. Vous voyez, sur les côtés, là-bas, on voit des barrières. Là-bas, vous voyez des barrières un peu, là. Et bah, là-bas, c'est en gemmes. Et celle qui est là-bas, c'est en argent. Donc, je crois que c'est 10 000. Ouais, c'est ça. Donc, il faut faire tout ça. Donc, dès qu'on a récupéré un truc, vous voyez, on est full. Donc, on est obligé quasi d'aller vendre. Donc c'est dommage, mais bon voilà, c'est la vie les gens, j'ai envie de vous dire, il faut ce qu'il faut. Donc voilà, là on est obligé d'aller vendre, yes, yes I do, mec. Non, s'il vous plaît, je veux vendre. Ah voilà, on a vendu, c'est parti, donc il nous faut les 1002. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement récolter un peu mes foreuses, et je vous reprends tout de suite après les copains. Et re tout le monde, alors ça y est, on a les 1200, donc on peut avoir le sac à dos qui est un peu plus grand. Bye, du coup, ensuite, 25 items, 4500, wow, vous êtes pas cher du tout, vous, les drills. Ah, 2500 pour la suivante, oh nice. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire, en vrai, parce que je vous avoue que, apparemment, c'est, il n'y a pas de quête ou quoi, j'ai fait le tour un peu. Alors, j'ai regardé un peu vite fait, donc là, groupe, reward. Ok, on peut se créer un groupe et tout, ok. Ok, ok. Moi bien. En vrai, j'aimerais bien débloquer une des zones pendant la vidéo. Pour essayer justement de voir un peu ce qui se trame derrière les zones. Bon, j'avoue que c'est assez répétitif au final dans la façon de faire. Donc là, on vend ça. Tac. Donc vous voyez... non, on a 1100 là. En peu de temps. What? On a 1100... Non, mais on a 1000 gemmes. Non, mais sérieux? Vraiment? Non, mais arrêtez de me faire des trucs, les gens. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé à personne. Donc, 4500, je crois, pour la prochaine drill. Oh, je suis bien tentée, en fait, avant de pouvoir investir dans une zone. Je sais plus combien c'est de gemmes pour la prochaine zone. On va aller voir. Avant, tenez, après. Allez, hello. Trouve-moi un truc que je pose une petite drill, là, vite fait. Merci, compagnon. Donc, j'ai récupéré mes drills. Ah non, il reste encore une là-bas à récupérer. Au niveau du backpack, ça devrait passer. Nickel. On en repose une. Et on va aller voir là-bas la porte combien c'est. Ah, j'ai pas... Je l'ai posé. J'ai pas fait appuyer sur E. Ok. Donc, à quoi ça correspond? Gwyn Midon. Ah, il y a quelqu'un d'autre là-bas. On va aller voir. On va aller voir ce qui s'y trame. Attendez. Hop. On va découvrir ça ensemble. J'y ai joué qu'une fois ce jeu sur un live. J'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. 30 000 coins pour avoir le camion. Ok. Enfin, con, coin, comme vous voulez, bref. Hein. Vous savez bien que moi, je prononce à la façon d'Elo. Basique, advanced, rare. Ok, donc nous, on est passé apprenti, du coup. Ok, donc là, c'est combien de gemmes pour débloquer la zone? 8000. Ok. On va essayer d'avoir, écouter ce qu'il faut pendant l'épisode pour pouvoir débloquer les zones et voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Une vidéo un dimanche, on a le temps et tout, donc voilà. Allez, hop, on va y aller tranquillou.
Alors, on va vendre tout ça. Donc, ouais, on va viser les 4000 là pour pouvoir avoir la prochaine drill, la prochaine foreuse du coup. Voir un peu ce qu'elle nous apporte, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est du farming. Vraiment. Du pur farming. Hop. Il nous repose pas nos drills, dommage. Il va falloir qu'on trouve d'autres coins pour pouvoir les poser. Ah, il nous en a posé une. Attendez, on va se promener avant d'aller vendre le backpack. Hop. Hop, allez, encore une, s'il vous plaît. Donnez-moi un coin où poser ma foreuse. Merci bien, monsieur, madame. Alors, yes. En fait, aucun minerai rapporte la même somme. Donc, c'est ça qui est assez ouf, en fait. Bon, je pense qu'en vrai, ça peut aller assez vite de farm. J'ai l'impression. Parce qu'on a eu beaucoup, quand même, en peu de temps. Bon, j'avoue qu'il y aurait des quêtes. Le jeu serait bien meilleur. Parce que là, c'est juste du farming et on n'a pas d'autres objectifs secondaires, en gros, à part avoir des pets, améliorer nos outils, ce qui est basique dans un simulateur. Mais moi, pour qu'un simulateur me plaise sur le long terme, il me faut des quêtes. Sinon, je m'y ennuie. Donc, c'est bien pour ça que je fais un let's play carrément sur Beast Farm Simulator. C'est que bah, le fait qu'il y ait des quêtes et tout, bah, vraiment, ça améliore de ouf le jeu. Ça améliore l'intérêt, l'attrait qu'on a pour le jeu. Donc, je remarque que, ouais, il y a des. Je comprends pas trop à quoi ça correspond le grazing pasture là. Donc ce qui est dommage, j'aurais bien voulu comprendre ce truc. Parce que je me dis que c'est certainement assez important. Donc là, quelqu'un qui a posé sa drill, mais qui ne l'a pas fait correctement, visiblement. Donc nickel. Hop, on va vendre tout ça. On est bon. Hop, on vend tout ça. Donc on est à 2000. Je vais vérifier avec vous combien c'est pour la drill suivante. Ah non, c'est 2500! Bon, on y est bientôt en vrai, c'est good. C'est pour le sac à dos de 4200, je pense, du coup. 1 200 000 pour le prochain, pour un pet de niveau supérieur. On pourrait tenter en vrai après. Je vais voir comment je vais me débrouiller pour l'épisode et tout, parce que ouais, enfin. Pour le moment, c'est pas un principe. Ouais, j'aime bien le principe, mais voilà, comme je vous dis, sans quête, ça manque d'intérêt. Hop, on va poser une prochaine. Ah non, on est déjà à 5, c'est bon. Ah bah oui, elle s'est posée derrière moi, j'avais pas vu. Pourquoi pas? Hop, on repose ça. Mon sac à dos est pas encore fou. Hop, c'est bon là. Hop, yes, on vend. Yes. Et on a assez pour acheter la prochaine drill. Alors c'est parti, on achète la prochaine drill, les amis. Bye. Hop. Non. Oh ouais, non, mais les tarifs après, c'est énorme. Donc là, j'aimerais bien avoir 1002 pour prendre un autre pet de niveau supérieur, là, au-dessus. On va voir si on va y arriver. Et après, ouais, pourquoi pas essayer d'avoir débloqué les zones. Ça pourrait être bien pour la vidéo. Hop, allez. Je ferme un petit peu avec vous parce que voilà, je vous parle en mode tranquillou, bilou, quoi. Mais clairement, il faudrait, si vous regardez la vidéo, que proposer un jeu. Le mois prochain, je vais essayer de faire des jeux Roblox un peu de façon random. Comme ce que j'ai fait au début, là, je suis partie sur des simulateurs ce mois-ci et je vois que c'est pas forcément le kiff de tout le monde. Donc pourquoi pas essayer de faire des jeux en réponse avec à vos commentaires, quoi, tout simplement faire un test de jeu purement. Parce que là souvent je vous montre des jeux auxquels j'ai déjà joué. Donc pourquoi pas là carrément lancer une vidéo un peu comme là en mode bah je connais pas trop le jeu mais on va le découvrir. Voilà, ça pourrait être cool de répondre à vos demandes. Je pense qu'il y aura plus d'intérêt peut-être pour regarder les vidéos. Le mois prochain le planning va un petit peu changer niveau vidéo, mais voilà quoi, on peut quand même s'arranger et faire des trucs. Hop! Allez Coco! Et s'il y en a qui ont envie de participer aux vidéos, bah pourquoi pas en même temps, j'ai envie de vous dire. On peut parler sur Discord, voir un peu, voilà, s'il y a un feeling et tout, et essayer de recorder ensemble une petite vidéo, quoi. Il y a moyen, quoi, vous voyez. Il y a moyen de monnayer, comme on dit. Bon, allez, trêve de bavardage, je vais faire une hélice, le temps d'avoir les 1200 pour le pet, les amis. Et re tout le monde, alors on se retrouve, donc j'ai beaucoup plus que prévu parce que je vous explique, je vais prendre le pet et je vais aussi améliorer mon détecteur. Alors, E pour ouvrir, alors c'est parti, qu'est-ce que l'on va obtenir? Un petit lapinou les gens, oh il est mignon. Donc ça pourrait être cool en vrai d'essayer de tous les avoir et tout. Ah on en a eu un qu'on a 20% de chance d'avoir. Bon on aurait pu avoir mieux mais c'est déjà pas mal j'ai envie de dire. Alors, le pet, donc on l'équipe, donc il nous donne plus de... Coin et gemme, nanana. Ok, et en fonction de quand il augmente en niveau, et eh ben il nous donne plus. Ok, et on peut même les vendre au bout d'un moment si on a autre chose. Donc c'est cool. C'est pas des pets investis dans le vide. Alors, on va prendre le détecteur suivant. Donc, qu'est-ce qu'il fait de plus? Donc on a toujours 5.
Range 30. Ah oui, il a un rayon d'action plus large. Ok, j'ai compris. Alors, voilà, les amis. Donc là, je sais pas trop. Qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce que j'économise pour la prochaine zone ou est-ce que j'investis dans un backpack? Alors, on va tout investir dans le backpack en vrai. 4500. Ouais, on va investir dans un backpack. Vous savez quoi? Et comme ça, parce que j'ai envie d'augmenter mes gemmes, parce que là, je suis à 2000, 2500, quoi. Donc, en vrai, il nous en faut 8000 pour pouvoir aller dans l'autre zone. Ou 10 000 en cash. Mais je préfère encore investir pour avoir du meilleur matos, vous voyez. Que de m'amuser à avoir un truc. Alors, par contre, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est vrai ou quoi, les amis. Mais j'ai l'impression que, grosso modo, on a plus de chances d'avoir des meilleurs loot ici que dans celui qui est là-bas où il n'y a rien d'écrit. J'ai eu cette impression. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai l'impression que j'augmente plus vite quand je ramasse des minerais ici avec mes foreuses que de l'autre côté. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Donc j'ai pris le temps de lire ce qui est écrit en dessous des noms là qui sont au-dessus, vous voyez. Et c'est la même chose partout. Donc du coup, je ne sais pas trop comment ça marche cette histoire. On est full? Ouais. Alors, on va les vendre. Donc je ne sais pas trop comment ça marche l'histoire des titres et tout, mais... C'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Donc là, je vise les 4500 du coup pour pouvoir avoir le prochain backpack. Mais voilà, il y a des trucs différents et tout. Donc là, c'est pour le groupe. Et là-bas, c'est pour avoir le truc, j'ai l'impression. Donc je crois qu'on avait dit 2000. Non, 20 000, pardon. J'allais voir. Ah oui, regardez, mais il m'a rapporte de l'argent et tout, mais pète au bout de tant de temps. Ok. Donc non, 30 000. 30 000 argent. Donc, End Canyon. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. On va travailler, j'ai envie de vous dire. Hein. On va aller faire la foreuse, hein, puis c'est tout. Hein. Hop. Alors. Ah, voilà, posez-moi des trucs. Ah, nice, on en a une. Et si je fais store? Ah d'accord, ouais, donc ça sert un peu à rien. Donc en fait, on a juste à vendre. Et vous voyez, on obtient de l'argent. Des fois, on en obtient beaucoup plus, des fois beaucoup moins. Ça dépend de ce qu'on obtient en mettant nos foreuses. Je vais peut-être tester d'aller dans un autre lieu de récolte, parce que là, je suis toujours dans le grazing. Peut-être qu'ailleurs, j'aurai autre chose. J'ai envie de vous dire. Attendez, on va essayer de voir si là, les prochaines foreuses, elles vont partir et voir si... Ah non, elle s'est posée aussitôt. Ah, elle s'est posée quasi aussitôt aussi. Là aussi. Ah, dommage. On va pas réussir à faire ce que je voulais. Le backpack full. Ok. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Vous voyez, là, j'ai eu 200 d'un coup. Donc, ah, on a 3000 gemmes. Oh, nickel, les gens. Oh, je le sens. On va aller voir les 8000 pour l'épisode, je vous le dis. Les 8000 gemmes. Oh, je vais où, là? Hello, va sur le chemin. Bon sang, bonsoir. Alors, on va essayer de faire partir une vrille, histoire d'en poser une dans un autre pâturage. Voir un peu ce qu'il pourrait y avoir. Ah, punaise. Ah, ça nous a posé une rare... Ah! Ah oui, on est un pourcentage de chance. Ah, ça y est, les amis. Donc, en gros, on a un pourcentage de chance de poser une basique, une advanced, une rare, une épique et une unique. Donc, là, on vient de poser une rare. Non. Voici une rare. On a posé une rare, celle-là. Ah, c'est ça. Ah, ça correspond à ça, ce qui est au-dessus. Donc, en fait, on a un pourcentage de chance. Donc, peut-être que dans les zones, les pourcentages d'avoir une épique, une rare et tout augmentent. Ah, ça serait cheaté, les gens. Ah, bah, j'ai hâte de débloquer une prochaine zone. Vous savez quoi? Hop. Non, je me suis fail. On veut vendre. Hop. Ah, ça pourrait être cheat en vrai. Donc, ça y est, j'ai compris l'histoire. Bon, désolé d'être un peu longue à la détente, les gens. Bah écoutez, je vais fermer les 4500 et je vous reprends dès que j'ai l'argent, les amis. Et l'échange vous reprend, je viens d'avoir une unique de poser, c'est trop la vie, regardez! OMG! Et là, je peux recollecter celle qui était mise en rare. Oh, mais c'est trop bien! Je suis trop contente! My god! Une advanced, donc ce qui est plutôt bien du coup, c'est mieux qu'une basique. Encore une basique, dommage. Là, c'est une basique aussi. Donc, je vais vendre. On va voir combien ça va nous rapporter. Ah ouais, ok. Donc, il en faut vraiment des rares et tout. Bon, bah les gens, cette fois, je vous quitte pour de bon. Je ferme jusqu'à 4500 et je vous reprends après.
Et re tout le monde, donc comme vous le voyez, j'ai 9000 gemmes, j'ai 20 000 en cash, c'est parfait. Alors, on va aller acheter, avant on va vendre, non j'ai tout vendu déjà. Donc backpack. Nice, 25 items, wouhou! Hop, le détecteur, la drill suivante. Ah, c'était des gemmes! J'avais pas vu, j'étais trop vite! Ah, il faut reformer les gens. Bon, bah, je vais prendre un pet, on n'est pas à ça près. Allez, vas-y, Coco, qu'est-ce que tu vas me donner? Un basique. Donc, autant dire que c'est nul. Ok, donc on va refaire un ici, voir. Cristal, allez, allez. Et on obtient un. Qu'on peut avoir 15% de chance d'avoir. Alors. 12, 20. Alors, vous voyez, celui-là est moins bon que celui-là, quoi. Ça nous rapporte plus de coins. Donc, ma foi, on va s'équiper de celui-là. Et si je compare celui-là avec les autres. Ouais, il est beaucoup plus nul. Donc, on va le vendre. Et les amis, bah, il faut que je ferme 4000 gemmes. Alors, c'est parti. On va reposer des drills ici. J'avais farmé de ce côté-là en votre absence, hein, justement. Hop. Alors, il va nous avoir du copper. Donc, c'est pas mal. Le copper, ça va nous rapporter pas mal d'argent. C'est quand même une basique. Donc, ça nous rapportera moins. Le gold rapporte plus. C'est pas grave. Donc, du copper. Malheureusement, là, on a que des basiques. Bah, écoutez, c'est la vie. Hop. Hop, nice. Donc on a que des basiques, écoutez, c'est la vie. Ah, on peut avoir 6 foreuses maintenant. Oh, GG. Bon bah voilà les gens, vous avez vu le fail des lots en direct. Je pensais vraiment que c'était de l'argent et pas des gemmes. Donc on ne sera plus à voir maintenant. Donc hop, nickel, ça nous en repose une autre aussitôt. C'est plutôt cool. Hop, on achète, on prend ça. On a une advanced seed, donc c'est plutôt bien. Ah, je suis déjà full, donc on vend, hop. Voilà, donc on va refarmer sur tous les gemmes. L'argent, bah écoutez, attendez, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on, dans quoi on va investir après? Un sac à dos plus grand, je pense, clairement. Donc on a celui-là, on est équipé de celui-là. Donc, ah ouais, maintenant c'est des gemmes. Donc 26 000 si je veux un avec de l'argent. Donc 26 000 cash. Bah écoutez, je pense que ça va être faisable. Autant que j'ai 4 000 gemmes en plus pour pouvoir débloquer la zone. Ou alors je débloque la zone avec 10 000 en cash. Ouais. Je sais pas trop. Non, je préfère débloquer celle avec les gemmes et avoir un plus gros sac à dos en vrai. Je trouve ça plus rentable. Du coup, on vend. Donc voilà, je vais faire ça les amis. Donc vous voyez, on récupère assez facilement de l'argent. Donc je vous reprends dès que je peux avancer dans le jeu. Donc à tout à l'heure. Et heureux tout le monde. Donc c'est bon, on a enfin tout ce qu'il faut. Donc là, on va prendre le backpack qui n'est pas vendu avec les gemmes. Celui-là. Hop, on l'achète, on sort et on a un sac avec 100 items. Donc c'est juste nickel chrome. Vu que j'ai assez de gemmes, je peux me permettre de réouvrir un œuf. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui se promenaient avec plus de pets que ce que j'ai. Donc en fait, tout à l'heure, j'aurais dû m'équiper du pet au lieu de le vendre. Je pensais que c'était trop, je sais pas. C'est par question d'habitude sur certains simulateurs. Ah, pet 3 sur 4. Voilà, on peut en avoir 4 max. Ok, donc j'aurais dû lire plus facilement. Bon, bah écoutez, on va débloquer la zone à 8 000. Voir un peu ce qui s'y trame. Donc on a deux pardon, foreuses à ramasser. J'oublie. Donc on va ramasser ça et on va aller voir ce qui se trame derrière cette zone. Avant d'arrêter quoi. Parce que la vidéo durera déjà un bon moment je pense. En coupant les moments de cut. Yes. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ah, on a un pet qu'on peut payer plus cher. 2500. Et on peut passer la foreuse ici, on peut planter la foreuse ou... Ah ouais! Ah bah attendez, on va tenter les gens. Oh la vache! Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre comme foreuse? Allez, vas-y, vas-y, Coco! On veut de l'argent! Ok, on a une advanced seed, on a une basique, donc il y a les basiques aussi comme d'habitude. Les pourcentages. Ah, l'unique, il y a 1% de plus, je crois. On a moins de pourcentage d'avoir une basique, j'ai l'impression. Quand je regarde les.
les tarifs qu'il y a là-haut. Ok, bon, bah on verra, écoutez. Je vais planter une fois une foreuse. Je vais planter toutes les foreuses. Ah bah il y en a déjà 6 de planter, c'est bon. Donc il faut attendre. Alors, tac, j'enlève la foreuse histoire de ne pas la reposer. On va ramasser nos foreuses. On va voir combien ça va nous rapporter de remplir notre sac. Hop! Comme ça, on clôturera la vidéo correctement. 2500 gemmes. Mon backpack est même pas full, les gens. Alors, on va vendre ça. Ah, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, bah voilà, écoutez. Cette vidéo, ma foi, qui est grandement menée. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, à donner des propositions de jeux que vous voudriez que je fasse sur la chaîne, que je fasse un test. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. Voilà, portez-vous bien, les amis. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.